Et là, messieurs, avec Jean-Marc Ayrault, Johanna Roland, le maire de Nantes, et Bernard Cazeneuve, qui était déjà là hier soir, avec les élus de Nantes, vous souhaitez venir ici apporter ma solidarité, celle du gouvernement, celle de la nation, à la ville de Nantes, ses habitants et bien sûr aux victimes, particulièrement choquées, blessées pour certaines d'entre elles, par cet individu hier sur le marché de Noël ici à Nantes. C'est la solidarité d'abord qui doit s'exprimer à l'égard des victimes, à l'égard des familles, bien sûr. Et puis, pour mieux comprendre ensuite ce qui s'est passé, c'est l'enquête qui le dira. Madame le procureur de la République s'exprimera en fin d'après-midi pour donner déjà un certain nombre d'éléments sur cette enquête qui ne fait que débuter. Les familles des victimes elles-mêmes, veulent évidemment comprendre ce qui s'est passé, les circonstances, les motivations de cet individu. Et toute la lumière doit être faite pour évidemment comprendre ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le déplacement ici, dans cet hôpital, auprès des médecins, de tous ceux qui sont intervenus, médecins, urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers, c'est de comprendre bien sûr ce qui s'est passé, mais c'est d'abord d'apporter du soutien, de la compassion aussi à l'égard des familles des victimes. Monsieur le ministre, le président a confirmé qu'une personne était décédée. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Nous avons rencontré des victimes qui, heureusement, Ton bras. Très bien. Et puis, encore sous le choc. Et j'ai rencontré aussi la famille. Une des victimes qui, elle, malheureusement, mais il faut le laisser encore un peu de temps avant ces annonces, est dans une situation très grave. Merci. On en sait plus sur le profil de l'automobiliste? Non, mais encore une fois, le procureur, la procureure de la République aura le droit de s'expliquer. Merci.